Bonjour à toutes et à tous, je suis Cash7 et ce n'est pas parce que mon nom n'est pas sérieux que nous allons pas parler de choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va mettre des sonneries sur son iPhone à l'aide de iTunes, qui est une application que vous devrez installer sur votre ordinateur pour pouvoir transférer les musiques et les sonneries. Le lien de iTunes est dans la description, il sera sur mon drive magasin que je vous ai transféré dans la description. Attention, je précise quand même, vous aurez besoin du câble d'alimentation que vous brancherez à votre portable au port USB de votre PC. Donc maintenant que vous avez installé l'application qui était dans le lien, vous l'ouvrez. Vous allez prendre une musique dans un dossier de votre ordinateur et aller la transférer sur iTunes comme ceci. Ensuite, vous allez sur l'icône du petit téléphone en haut à gauche, vous cliquez dessus. Vous sélectionnez la playlist à jour récent et vous synchronisez. L'état de l'avancement de la synchronisation s'affiche en haut. Suite à la synchronisation que vous venez de faire, la musique que vous avez ajoutée se mettra dans l'application musique, mais ne pourra pas être ajoutée en tant que sonnerie. Pour l'ajouter en tant que sonnerie, revenez dans l'onglet musique. Faites clic droit sur la musique que vous voulez mettre en sonnerie. Allez dans obtenir les informations. Cette musique doit durer moins de 30 secondes. Réglez le début et la fin de la musique de sorte à ce qu'elle fasse moins de 30 secondes. Puis vous faites clic droit sur votre musique et vous appuyez sur créer une version AAC. Ensuite, votre PC créera un fichier que vous pourrez retrouver dans musique, iTunes, iTunes Media, musique et vous retrouverez votre musique. Votre musique sera en format M4A, il faudra la changer en faisant renommer. Et mettre M4R à la place. Ensuite, il vous suffit de prendre ce fichier et de le transférer dans vos musiques sur iTunes. Ensuite, après avoir fait ça, vous retournez sur l'icône du petit téléphone et au lieu d'aller dans musique, vous allez dans son. Vous sélectionnez la musique que vous voulez ajouter et vous synchronisez. Quand vous avez fini la synchronisation, vous pouvez remarquer que votre sonnerie se propose automatiquement dans les sons. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à partager, à aimer, si vous avez des questions vous pouvez les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos même si elles n'ont pas énormément d'intérêt avec ce que je fais là. Et moi je vous dis à plus tard si vous comptez vous abonner à la chaîne.